Pour ses 25 ans, le Festival du Bœuf de Charolles vous présente un expert par jour de la filière bœuf charolais du lundi au vendredi, du 18 au 29 novembre. Bonjour, donc Christian Bajar, je suis éleveur à Saint-Symphorien-des-Bois, entre La Clète et Charolles. Je suis président de la FDSEA et représentant de la Saône-et-Loire à la FNB, Fédération Nationale Bovine. Donc la Saône-et-Loire est un grand département d'élevage, hein, puisqu'on a une des plus grandes surfaces agricoles de France déjà, et une grande partie en herbe, et notamment des prairies naturelles. De ce fait-là, on a la présence d'un grand troupeau de vaches allaitantes. Alors les vaches allaitantes, qu'on se comprenne bien, c'est les vaches à viande en fait, c'est pas des vaches laitières. Et on doit avoir un troupeau de 220 000 vaches, je crois, sur le département, ce qui fait le plus gros troupeau de France. Ça fait déjà un certain temps qu'on l'a, parce qu'on a ces prairies naturelles et ces bocages qu'on peut constater partout quand on se promène dans le Charolais. Et qui, en fait, ces animaux-là valorisent très bien l'herbe qui pousse sur ces prairies. Et elle a l'avantage de le transformer en viande, en protéines, en viande. Et c'est ce qui en fait un petit peu la renommée, c'est-à-dire qu'on a une viande qui est... dû à cet herbage qui est très persillé et qui est apprécié de beaucoup de consommateurs. Ensuite, ce qui permet d'avoir une économie assez forte autour de l'élevage, hein, c'est-à-dire qu'on a tout un tas d'entreprises qui commercialisent nos animaux. On a quelques abattoirs, dont un à Paray-le-Monial, un à Autun et puis un à Louhans, qui permet de transformer nos animaux pour donner une viande aux consommateurs et la préparer du mieux possible. Donc ça, c'est important parce que c'est une économie qui n'est pas forcément délocalisable, puisque on a un certain nombre de démarches qui sont nées de notre territoire. On a une démarche AOC, AOP aujourd'hui, puisqu'elle est reconnue au niveau européen. On a une démarche label, on a une démarche IGP qui fait qu'on a constaté que les animaux qui étaient faits sur nos territoires avaient une petite différence à ce qu'on pouvait retrouver ailleurs et qu'on essaye aujourd'hui de valoriser. On va dire qu'on a beaucoup d'atouts, c'est-à-dire qu'on est dans une zone où finalement on a vachement préservé les paysages et je pense que la biodiversité est quand même largement préservée et ça devrait être un atout pour l'avenir qu'on arrivera peut-être à valoriser un peu différemment, mais je pense que j'espère que notre territoire y croit, c'est qu'on a encore un avenir important en termes économiques aussi, quoi. On a bien sûr le marché de Saint-Christophe-en-Brionnais qui reste un marché important. Et puis en plus qui amène une image du savoir-faire des éleveurs, de la pratique du commerce qui est très appréciée notamment par tous les touristes qui peuvent traverser notre département. Je pense que c'est un lieu quand on vient sur le département de Saône-et-Loire qui est pratiquement incontournable, comme la maison du Charolais aussi, parce que c'est des endroits où on sent la tradition et le poids de l'histoire. Alors la charolaise est connue d'abord par sa viande bien sûr, et elle est consommée un peu à travers toute la France, et notamment plutôt pour sa viande de vache et de génisse. Par contre, il y a beaucoup de broutards qui partent en Italie, et c'est un très gros marché, et on a des départs de toutes les semaines de broutards qui traversent les Alpes et qui vont être engraissés en Italie, parce que là-bas, on mange plus de viande de mâle qu'en France. Voilà. Donc c'est un marché très important, et effectivement, ça fait travailler beaucoup de monde sur le département. Bon, quel avenir pour l'élevage en Saône-et-Loire? Je pense qu'on est... Enfin, nous, on y croit déjà. On a des éleveurs qui sont passionnés et qui continuent de croire en leur métier, même si c'est pas facile tous les jours. Hein, les attaques qu'on peut avoir sur les médias, toutes ces choses-là, c'est des choses qui affectent directement le moral des troupes. Hein. Par contre, on a la volonté de continuer d'installer. Il y a encore beaucoup de jeunes qui s'installent malgré tout. Pas assez à notre goût et pas assez sans doute pour renouveler l'ensemble des exploitations, mais il y a encore des jeunes qui y croient à ce métier. Et... À nous, notre rôle des organisations agricoles, par exemple, c'est d'accompagner pour qu'il y ait la meilleure réussite possible pour reprendre les exploitations, pour les développer, pour essayer de faire un produit de qualité. Parce que nous, on ne pourra pas se battre sur le marché mondial, sur les prix, ça c'est évident. Par contre, on a un atout. Et par exemple, le président de la République a été en Chine. Il a vanté un peu les mérites de la viande française comme étant quelque chose un petit peu de... un produit de luxe, un produit vraiment de qualité. Et je pense que nous, on a tout notre travail, c'est de jouer là-dessus, c'est d'aller essayer de montrer à tout le monde que notre produit viande charolaise, c'est un produit de super qualité. Merci, au revoir. C'était les experts du bœuf charolais présentés pour les 25 ans du Festival du Bœuf. Une production de Radio Cactus en collaboration avec la Société d'agriculture et d'élevage du Charolais. Un expert par jour, du lundi au vendredi, du 18 au 29 novembre.